Eh bien, donc, yo les gars, c'est Roméo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, tout simplement, sur Chat Factory, pour un tuto comment faire des miniatures, mais beaucoup mieux, avec simplement des images importées. Donc, je pense pas que vous aurez la même chose, mais c'est par exemple un exemple, parce que la dernière fois, j'ai regardé sur ma dernière vidéo, enfin, comme tuto comment faire des miniatures sur PS4 Chat Factory. Donc, j'ai mal fait tout compte là. Je te réfléchis comment je veux vous dire. Donc voilà. Quand vous êtes dans Chat Factory, ça vous amène ici dans vidéo. Vous êtes tout simplement dans photo. Vous faites un nouveau projet. Vous, je sais pas ce que vous avez comme jeu. Enfin voilà. Moi, par exemple, je vais faire une photo Fortnite. Je vais par exemple prendre Fortnite du coup. Là, on a toutes ces photos là. Donc, comme vous pouvez le voir aussi, là, ça c'est toutes mes photos que j'ai fait. Et qui vont bientôt faire avoir des vidéos sur ça. Enfin, bref, c'est pas trop ce qu'on veut parler. Mais en tout cas, là, on est là pour vous montrer. Alors attendez. Comment faire? Donc par exemple, moi, un exemple, ce que j'aime bien faire. Par exemple, je prends cette photo, n'importe laquelle. Voilà. On a cette photo. Voilà. Je mets une vignette sur tout celle-là. Alors vous allez voir pourquoi. Hop, et je mets du bleu derrière, comme ça, comme ceci, comme ça donne ça. Là, je fais image importée, donc voilà, ça c'est toutes les images que j'ai importées. Donc, par exemple, imaginons, je vais prendre ça là. Ça se trouve, ça va être un truc d'une vidéo, on sait pas, hein. Ça se trouve, je vais la mettre et voilà. Ça se trouve, je vais bien la faire, donc je vais la mettre pour une vidéo. Donc voilà, je l'agrandis, je l'agrandis, je l'agrandis. N'oubliez pas de l'aligner avec carré. Voilà, et ça donne ça déjà si vous êtes bien. Voilà, ça donne ceci. Et puis après, vous pouvez faire choisir arrière-plan et choisir ça. Et ça va faire un petit rond derrière, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous montre au montage. Et donc, voilà, déjà ça donne ça. Après, vous êtes tout simplement allé faire X ou croix. Moi, j'y crois. Donc, croix. Modifier superposition. Vous allez dans texte et imaginons que je sais pas, vous voulez mettre troll. Voilà, troll. Troll. Kikou. Troll Kikou, voilà. Choisissez la couleur. Moi, je prends du rouge. C'est bon, on va changer une fois, on va mettre du vert. Effet textuel, vous avez plein d'effets textuels. Ce moment, moi, je prends plus dans les effets. Je prends beaucoup plus dans les effets. Voilà. Donc, je sais pas ce que je vais prendre. C'est quoi? On va regarder avec vous. On dira des feuilles, ça. Allez, on cherche. Je découvre aussi des trucs, on va prendre ça. Voilà. On va... l'agrandir comme ça. Voilà, rond. Et voilà ce que ça vous donne. Vous faites carré X et rond. Et voilà, maintenant vous pouvez encore faire ajouter superposition. En moi, en ce moment, ce que j'aime bien faire, regardez, vous avez tout en bas dans les photos, vous avez ceci. Donc voilà. Et donc là, vous pouvez l'agrandir et le descendre avec R1, L1. Donc voilà, je mets sur le côté comme ça. Voilà. Après, par exemple aussi, imaginons qu'on veut faire un super beau truc. J'ai envie de... J'ai envie... J'ai envie de quoi? Voilà, j'ai envie de ça. J'ai envie de ça. Je vais le mettre... Je vais l'agrandir un petit peu. Je vais le mettre sur le côté, regardez ça. Comme ceci. Avec L2, avec L2 et R2, R2 pour bouger comme ça et L2 pour faire l'autre sens. Enfin voilà. Et puis après, vous faites carré, rond. Après, vous faites modifier encore superposition. Et vous faites subgrid. Par exemple, vous pouvez prendre subgrid. Par exemple, là, vous essayez de le rentrer dedans. Vous voyez? Bam, voilà. Et par exemple,
se défaire. Par exemple, on va prendre ça. Là, déjà c'est très très gros. Donc, on va vite le rétrécir. Voilà. Allez, rétrécis-toi, rétrécis-toi. Voilà, nickel. Et voilà. Et là, vous mettez juste ça, juste ici. Et voilà. Et ça fait comme un truc qui tombe. Enfin, voilà. Puis, à peu près, vraiment, si vraiment, on peut faire plein de trucs. Et là, par exemple, je peux mettre follow. Par exemple, dans le truc bleu, ça va être très très compliqué. Ça va être tout petit, mais c'est pas grave. C'est pour l'exemple, les potes. Et par exemple, je vais mettre follow et je vais mettre un petit truc comme ça on voit bien ce qu'on écrit. Snap, par exemple. Snap. Snapchat. Là. Voilà, par exemple. Là, par exemple, je vais mettre du jaune. Et voilà, là, par exemple, je vais mettre ceci là. Et voilà. Et là, du coup, j'essaye de le rentrer dedans. Voilà. Nickel, vraiment. Ça, c'est voilà ce que ça donne. Donc, vraiment, je trouve que ces genres de trucs sont vraiment plus vraiment beau sympa, vraiment très beau sympa. Après vous pouvez aller dans sticker, vous pouvez prendre ça, vous pouvez mettre comme ça, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas tout 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 tout, mais il y a énormément de trucs dans Share Factory, je vous promets. Après si c'est moi qui a apporté des images hein. Après, vous pouvez essayer de faire par vous-même, mais ça, j'ai fait un tuto avec par vous-même avec les autres images de Fortnite. Donc voilà. Donc vraiment, c'était pour vous montrer que on peut faire. C'est pas besoin d'avoir un PC. Pas besoin d'avoir un PC pour faire des super beaux trucs comme ça, vous voyez. C'est par exemple ça. Bam. Regardez. Et même ça, il y a des trucs de montage et tout partout. Hop, regardez, hop. On met dans la tête. Mais ce que ça fait, c'est vraiment il y a beaucoup de choses. Je vais pas dire qu'il y a rien du tout. Il y a des trucs, c'est encore plus dur. C'est encore plus facile que sur PC parce que sur PC vous devez importer tout ça. Regardez, vous devez importer toutes ces images. Ça c'est déjà fait, c'est ça le truc. Vous avez vraiment plein de choses. Et par exemple, pour regarder, si vous voulez vous marier, prenez ça, vous rétrécissez. Regarde, hop, tu vas le rétrécir, rétrécir, rétrécir. Tu me mets sur une petite maison là-haut. Rien du tout. Mais toi, regarde. Ah si, regarde. Sur l'image, on voit le petit truc. Tu vois, c'est. On peut faire vraiment plein, plein, plein de trucs. Si j'ai envie de rajouter une poubelle dans le décor derrière. La poubelle, j'ai envie de la rajouter là. Et ben voilà, tu vois, c'est vraiment, c'est trop bien quoi, c'est trop bien. Si j'ai envie de mettre un petit pansement à elle, et ben je lui mets un pansement. Vraiment, c'est magnifique. C'est l'appli montage, elle est assez bien. Après, c'est pas les meilleurs trucs, mais c'est assez joli. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bon les mecs, vous savez ce que je vais vous dire. Ciao et peace tout le monde. Likez à vos amis. Peace.